pour le premier épisode de Portal 2 en mode solo. Car je rétif avec View, donc je le vois pas en ce moment. Je suis sur Skype, il est pas là. Non, je suis connecté à chaque fois. Donc voilà. Je le vois pas, mais on va continuer ou alors on recommence. Il a dit qu'il veut recommencer, donc voilà. Du coup, j'avais vu. Je vais vous parler avant. Donc en fait, dans le mode coopératif, quand on appuie sur échappe, ça ouvre une fenêtre où vous allez sauvegarder, retour machin. Il y a marqué normalement le petit bouton du début pour aller faire le début. Où il y a le tutoriel, dans le coopératif. Donc je pense qu'on va recommencer. Voilà. C'est parti. Je vais pas faire une vidéo trop longue par contre parce que je dois bientôt rentrer chez moi vu que je fais des vidéos pas chez moi en fait. Donc, voilà. Ok, alors c'est parti. C'est long le temps de chargement. Oui, donc j'espère que l'intro que j'ai commencé, enfin que j'ai fait, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc je précise que j'ai déjà fait Portal 2, le saut, d'ailleurs je l'ai fait plein de fois. Donc je m'en souviens pas mal. Mais j'ai fait comme si je connaissais pas, donc c'est vrai que ça peut être un peu énervant pour vous. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien. J'ai enlevé pour cet épisode les sous-titres. Donc, vous me direz si vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Oui, donc vous bien, le test, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Je me souviens plus de l'histoire et tout, mais je me souviens pas, par exemple, au test de près, je me souviens que quelques-uns, quoi. Je me souviens pas non plus tout. Je pense pas le faire. Après, je verrai s'il y a beaucoup de commentaires. On va voir. Non, c'est sur Portal 2, donc voilà. Votre cryostase a duré 9 Ce message a été quitter sans délai le centre d'enrichissement. Tout sujet. Vous comptez ouvrir la porte? Oui. Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va de votre côté? Arrête de parler. Eh oh, le robot là. À
après quelques mois en cryostase... Juste une pause. Alors, j'ai beaucoup m'attardé sur les petits détails et tout. Donc, donc tu vas quand même être long sur le display. Voilà, donc c'est parti. La plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. Si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter, vous avez sauté, c'est ça, mais peu importe. Dites pomme, pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Sauter, ça coupe pire contrôle. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, j'aimerais. À quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je vous le demande, à quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Il y a la place? Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah zut, je suis rentré en plein dedans. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous! Bonne nouvelle! C'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque! Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord? Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? On se retrouvera plus loin. Allez, en avant! Bonne chance! Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Avec sur des maps.
Donc oui, je vais faire des visos sur Dofus aussi. Donc voilà. Alors, excusez-moi, je... Si vous sentez un liquide... Je regarde juste un truc à quel... Et merde. Désolé. En 10 minutes, j'en suis. Okay. Et bien sûr, vos épaules, allongez-vous. Désolé, on voit encore. Donc, je pourrais pas le déplacer. Là, voilà. Comme ça, exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Ouais, seulement émancipé, hein. Oui, alors, soit ça... Normalement, Portal 1, c'est automatique, ça s'ouvrait automatiquement, mais là... C'est pas facile. Bon, je vais quand même galérer sur certains tests, parce que je m'en souviens, c'est quand même un moment que j'ai pas joué à la campagne solo. Et merde, pourtant j'ai appuyé sur un photo qui fallait pas. Bon, on pouvait avoir plus de... Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Attention. Oui, alors en fait, je vais peut-être vous raconter un petit peu la fin de Portal. Portal, en fait, il y a une fille en fait, enfin plutôt une femme plutôt, ouais. Si la Terre est actuellement goûte. Qui fait des tests en fait pour un robot qui s'appelle GLaDOS. Et en fait à la fin on arrive à... Enfin, la dame arrive à le... À la détruire. En fait, donc voilà. Gouverné par un animal, un nuage doué de conscience ou tout autre. Ah, la détruire, plutôt les désactiver, mais en même temps, un petit peu la détruire. La fin de Portal 1, c'est un peu du carnage. Donc voilà. Quantité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Hey, vous avez réussi! Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez aller voir. Ça, tout va bien, non, continuez, allez jeter un oeil. Non, c'est ça, près du podium, voilà. Oui, tenez, allez juste, mettez-vous près du podium et levez les yeux. C'est ça, non, oui, voilà. Vous voyez le générateur? Il est là. Et au fait, vous êtes en vie? C'est important, j'aurais dû commencer par là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça? Allez, on y croit! À dans une heure! Enfin, peut-être. Alors, en fait, je vous montre un petit truc là. Donc, il y a une bébé entre Portal 1 et Portal 2, en fait, les robots nous ont ramené dans une espèce de chambre, donc là c'est GLaDOS, là c'est GLaDOS, là c'est GLaDOS. C'est pas grave. On va continuer jusqu'à 15 minutes, donc c'est bientôt 15 minutes là. Enfin, pour moi c'est 15 minutes, mais pour vous c'est pas 15 minutes. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Donc voilà, donc 15 minutes pile, là, ça y est. Donc ça y est, donc les gens, on va s'arrêter ici. Donc voilà, c'est 15 minutes que...
Donc, pour l'instant, je vais faire un épisode pas trop long, parce que je suis pas chez moi. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode. Ciao!